Honnête, oui, quand j'ai vu ton comportement, parce que tu es quelqu'un d'un peu agressif sur les bords, ce qui prouve un manque, non, un sentiment de rejet. Donc, pour éviter que les gens te déçoivent, toi, tu préfères te défendre en te faisant une carapace. Ma chérie, toi qui as beaucoup d'argent, tellement d'argent, tu es la seule personne, bref, l'une des rares personnes qui aime les autres plus que soi-même. Au point où on ne t'appelle pas dans un projet. Toi-même, tu l'as dit. On ne te sonne pas. Toi, tu entends par le Congo ça que quelqu'un a son projet. Tu cours là-bas, le syndrome du sauveur. Tu t'en vas dire à la personne que, ma, tu as un projet. Moi, j'ai l'argent, je peux t'aider ou bien je peux même te donner, tu as grandi ton projet. La personne t'a demandé quoi? La personne savait que tu étais là. La personne ne t'a pas sollicité. Tu ne peux pas taper l'œil, maman. On appelle ça que mouche non invitée. Quand tu fais ton mouche non invitée comme ça, la personne te fait sa roue. Tu ne peux pas te plaindre. Parce que la personne ne t'a jamais appelé. Tu es venu toi-même déposer ta disponibilité. Tu es toi-même venu montrer combien est-ce que tu veux être près de la personne. Et normalement, on abuse de toi. Parce que oui, dès la base, tu n'es pas quelqu'un que la personne apprécie. C'est pour ça que la personne ne t'a pas fait signe de son projet. Tu es avec quelqu'un, tu dis que tu es trop gentil, tu as l'impression que si, que ça, ma chérie. On ne t'a pas appelé, tu t'es invité, donc tu gères le retour. Tu avais un tala ici qui t'appréciait, qui était gentil avec toi. Tu n'as pas voulu de lui. Tu as décidé que c'est un voleur de câbles, de chargeurs, de téléphones. Tu as décidé que wow, la communauté ivoirienne ne veut pas de lui, il est mal vu là-bas. Bref, tu l'as rabaissé, tu as fait ce que tu voulais. Tu n'aimes pas là où tu es bien. Tu aimes là où tu souffres. Maintenant, tu pleures ou quoi? Si ça ne va pas, ma soeur, ce n'est pas méchant. Mais essaye un peu aussi avec les gens de ta communauté. Si de notre communauté, on ne t'accepte pas, on ne veut pas de toi, on ne veut pas t'intégrer. Essaye un peu avec les tiens. Mais visiblement, le sentiment de rejet fait que peut-être avec les tiens, ça a cuit depuis. Donc, tu as essayé avec les nôtres. Mais sache que ce n'est même pas une histoire de communauté. C'est une histoire que quand on ne t'appelle pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de toi. Ça ne sert à rien d'aller taper l'incruste là-bas, comme dit ma fille Aurélie. Reste dans ton coin. La personne qui veut de toi viendra te voir. Et si personne ne veut de toi, fais ta part de choses. Invite les gens. Et ceux qui veulent venir viendront. Et ceux qui ne veulent pas venir, basta. Dans la vie là, on est au 21e siècle. On ne force plus aucune relation. Tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Chacun prend sa route. Personne ne mange chez personne. D'abord même. Et c'est que quoi? Si tu cherches les amis, tu n'as rien à faire. Parce que visiblement, toi et moi, c'est le même âge. Et on va faire l'amitié. Mais moi-même, je suis difficile plus que toi. Donc, ça ne peut même pas marcher. À bisous.